Je suis en train de faire mes premiers pas sur le Great Divide Trail. Vraiment spécial comme sentiment parce que en 2016, j'ai pris exactement la même route, le même chemin. On va arriver! Pour finir à l'urgence à l'hôpital 3 jours plus tard. Blessé, impossible à continuer. Finalement, 3 ans plus tard, me voilà de retour, plus déterminé que jamais à réussir cette randonnée-là. How much you like the mosquitoes? Not a lot. Not one bit, actually. On est mardi le 2 juillet, 6h du matin. Je viens tout juste de quitter Cayman au motel où on restait, le Travel Lodge à Blairmore. Fait que là, la vraie aventure commence. Je pars tout seul pour la première fois, ce qui était censé être le cas, mais j'ai comme été retardé, je dirais, par la rencontre inattendue avec Cayman. Le plan aujourd'hui, c'est de faire une 40aine de kilomètres puis dormir un peu à un endroit random. Dans 6 jours, en fait, à la 6e journée à partir d'aujourd'hui, je vais arriver au parc provincial de Peter Lougheed, où il y a une boîte qui m'attend. Fait que là, je suis full load. 6 jours de bouffe dans le sac. Deuxième partie de l'aventure, section B qui commence. Je suis excité. Nouvelle journée, nouvelle énergie, ça va bien, j'ai mieux dormi, il fait beau, bah, correct, au moins il pleut pas. Faire du kilométrage aujourd'hui. C'est tough.
Fait du chemin. How was the climb? Rien, mais ça va bien, on fait du kilométrage. Aujourd'hui, je vais passer le cap des 250 km qui vont marquer à peu près le quart de ma route déjà en 7 jours de hike. Ça, c'est le fun, mais vraiment pas facile. Anglophones qui rient de moi, mais c'est ça, ça fait du bien là. On a eu juste assez de soleil pour faire sécher nos choses, puis là on va se remettre en route. De toute ma vie. Ça n'a aucun sens. Aucun sens comment c'est beau. La ligne est ici. Oh! Alberta. First impression. You don't get this at home. You don't get this at home, bro. Man, good days. It's a good day. And? Parc national de Banff. There we go. Good job.
You, Ryan? Oh, man. I can see the sign guy. It's so close. Right down there. Oh, my God. So excited. 13 days talking about Don's. 14 days talking about Don's, and now we're there. Holy crap. Dude, it's not even busy. Montreal Zoo, sir. On est de retour sur le sentier, on est le 12 juillet, on revient tout juste de 2 jours de congé à Banff qui ont vraiment fait du bien. On a mangé, on a profité de la vie, on s'est reposé, on a pris une douche, on a lavé notre linge. Seul petit pépin, c'est hier soir, le fils de Brian, Quinn, a commencé à comme mal se sentir, puis il a fallu l'apporter à l'hôpital. Pour finalement réaliser que Quinn faisait une crise d'appendicite. On va continuer sans lui, moi et Brian. On a passé la marque des 520 km de marché. Là, on se dirige tranquillement vers Field. J'ai une boîte de ravitaillement qui m'attend. Hey, it's Squid House. This is where we're going.
Donc on est le matin du 19 juillet. On quitte notre camping qui était quand même exceptionnel sur le bord de la rivière Rose. Là, on s'en va. On arrive aujourd'hui à Saskatchewan River Crossing où j'ai une autre boîte de ravitaillement qui m'attend. On a eu de la mauvaise température à chaque jour, de la pluie constante. Après le crossing, on se dirige vers le parc national de Jasper. On est en route. On repart pour 9 jours. Dans 9 jours, on est au Mont Robson. Moi puis Brian, ça se passe. Ça sent la fin. Ça sent la fin. Surprise, il neige. On est le 20 juillet. Pas de la grosse neige, mais de la petite neige mouillée. On est quasiment en hiver. Incroyable. Ça n'a pas de bon sens. Trail, 2581 mètres sur la pire journée qu'on a eu à date sur le sentier. La grosse neige, pas rien, sans fou. Approche de la fin, puis je commence à l'anticiper un peu plus qu'avant. Je commence à avoir eu mon lot d'aventures. Je suis pas mal prêt à ce que ça soit terminé. Skyline Trail terminé! Oh là 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 là! Je suis allé comprendre le Calgary présentement. J'adore mon vol pour retourner à Québec. On a décidé d'aller arrêter par prévention pour nos chevilles parce que les deux nos chevilles sont pas mal maganées. Puis je pense que ça a été la décision la plus logique. Ça a été une aventure de malade. J'en reviens pas que j'ai été capable de faire tout ça en 27 jours, 900 km. C'est quand même assez fou. Puis la prochaine aventure va venir bientôt. Je sais pas encore qu'est-ce que ça va être, mais
je suis pas mal certain que ça sera pas trop que je vais m'embarquer.